la stratégie nationale de communication du projet de gestion des paysages communaux pour la REDD+, soumise à l'appréciation des parties prenantes à l'occasion de cet atelier national de validation organisé ce 3 novembre 2023. Il s'agit pour ces experts en communication et environnement de mener des discussions afin de renforcer l'analyse sur l'état des lieux en matière de communication au niveau du PGPC REDD+ et d'examiner les différents axes de communication proposés dans la stratégie afin de les enrichir avant sa validation. Il faut rappeler que c'est un projet financé par la Banque mondiale et il a pour objectif de développement donc d'assurer, comme son nom l'indique, la gestion durable des paysages communaux, mais également d'améliorer donc les revenus qui sont tirés des espaces boisés que généralement les communes vont créer ou mettre en place dans le cadre donc, de ce projet. La stratégie de communication qui va être validée, c'est une stratégie en fait, qui repose sur déjà une expérience passée, parce que nous avons eu la chance de mettre en œuvre aussi le programme d'investissement forestier qui a combiné deux phases de la REDD+. Mais aujourd'hui, ce nouveau projet vient pour une mise à l'échelle en fait des projets pilotes de ce programme d'investissement forestier, mais qui rentre dans un autre programme en fait, et qui est le programme de réduction des émissions. Les participants ont donc passé en revue tous les axes de la stratégie de communication, tout en faisant des amendements pour faire ressortir une stratégie de communication de qualité, à même de permettre de documenter tous les résultats afin d'aller vers une capitalisation réussie des acquis du projet. Nous avons élaboré un document qui s'est donné pour option stratégique de mettre l'accent sur la communication institutionnelle. Donc là, ce sont des enjeux de notoriété, des enjeux d'image, des enjeux de visibilité. Et ensuite, on s'est donné comme option stratégique de mettre l'accent aussi sur la communication pour le changement des comportements, parce que notre ambition est de faire en sorte que les communautés partenaires du projet puissent prendre en charge elles-mêmes la thématique de gestion durable des ressources naturelles, des espaces de conservation. Cette stratégie de communication du PGPC REDD+, structurée en quatre parties, a été élaborée avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons d'abord une première partie qui est en fait consacrée au cadrage même du processus d'élaboration du plan de la stratégie. Et ensuite, nous allons avoir beaucoup plus une partie diagnostic, parce que ce qui est important, il faut effectivement faire le diagnostic de ce qui est en matière de communication au niveau donc existant, et maintenant permettre de renforcer ça avec maintenant des actions concrètes qui vont être dans la stratégie, qui est la troisième partie, et un plan d'action qui est annexé aussi, qui comporte donc la quatrième partie en fait du document. C'est un nouveau projet, donc il faut une nouvelle stratégie de communication. C'est vrai que le projet a été bâti sur les acquis du programme d'investissement forestier, mais aussi de la préparation à la REDD+, qui avait une stratégie de communication, mais l'intervention est tout autre dans cet exercice. Donc c'était important qu'on revisite nos pratiques de communication et qu'on revisite aussi la stratégie de communication pour l'adapter au projet. Donc c'est ce qui a été fait. En rappel, la zone d'intervention du projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ couvrira au total 96 communes réparties progressivement en trois vagues dans huit régions administratives que sont la boucle du Mouhoun, les Hauts Bassins, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, le Sud-Ouest, les Cascades, l'Est et le Centre-Est.